Les abeilles avec lesquelles je travaille sont les abeilles que j'ai. Je ne cherche pas à sélectionner de races particulières, simplement des abeilles qui occupent mes ruches et je travaille avec celles-là. Pourquoi je ne sélectionne pas de race? D'abord parce que la sélection est très très difficile. On ne maîtrise absolument pas l'aspect mâle de la reproduction. Une abeille qui tient au cadre et ne réagit pas quand on ouvre une ruche est une abeille qui n'a une résistance ou une réactivité à varroa ou au frelon qui est amoindrie. Donc l'idée d'avoir des abeilles vives est une idée qui me plaît. Ces colonies sont aussi des colonies qui me surprennent parce que celles qui étaient très vives il y a 2 ou 3 ans sont des colonies que je trouve aujourd'hui beaucoup plus calmes parce que j'ai aussi changé ma façon de travailler avec les ruches. J'ouvre moins, j'ouvre différemment. Je préfère une abeille qui a de la vitalité. C'est vraiment mon critère de base. Quitte à ce qu'elle soit vive quand j'ouvre, ce qui n'est plus un problème pour moi aujourd'hui. Le critère clé pour moi est vraiment la vitalité de l'abeille et sa capacité à faire face à l'environnement dans lequel elle est.